Coucou les filles, je suis Jeliane de la chaîne YouTube Diva Jolie. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment réaliser un look rétro bouclé. Donc, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, je me suis inspirée des années disco. Et si vous êtes curieuse en fait de voir comment réaliser ce look-là, continuez de regarder la vidéo. On commence avec les cheveux mouillés. Et la première chose qu'on vient faire, c'est venir appliquer un produit au niveau des racines. Ce produit-là, c'est la brume soulève racines de chez Nexxus dans la gamme Hydralite. On l'applique comme ceci au niveau des racines, là où normalement le sébum alourdit les cheveux, donc on va vraiment chercher un max de volume. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est utiliser une mousse volumisante. Celle que j'ai choisie, c'est la mousse volumisante de chez Trésemmé dans la gamme Création thermique. Ce qui est génial à propos de cette mousse-là, c'est qu'elle va venir travailler en synergie avec la chaleur pour venir donner davantage de volume. Par la suite, on vient chercher un sèche-cheveux muni d'un diffuseur pour venir vraiment donner beaucoup de volume en séchant les cheveux. L'étape suivante, c'est de justement venir faire les boucles. On utilise deux fers à friser de tailles différentes. Le premier est plus petit et l'autre un peu plus grand. Et ça permet de venir créer des boucles de tailles différentes qui vont soutenir pour avoir encore plus de volume. Pour finaliser le tout, ce qu'on vient faire, c'est utiliser du fixatif. Celui que j'ai choisi, c'est le fixatif de finition de chez Trésemmé dans la gamme Corps 24 heures. Il va permettre de garder le look toute la soirée. Si jamais vous remarquez que vous avez quelques petits frisottis, vous pouvez venir chercher un sérum anti-frisottis comme celui-ci de Dove, qui est à l'huile de soin nourrissante. Sa formule est super légère puis est absorbée très rapidement par les cheveux, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas de corps gras là, sur les cheveux par la suite. J'espère que vous avez aimé ce look. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!